Bonjour, mes chers élèves de CE1, deuxième année primaire. Je vous présente l'arbre mot, ce beau livre de français. Je vous propose une méthode de français, une autre façon d'enseigner et d'apprendre la langue française. Alors, dans cette vidéo, on va voir lecture suivie. Deuxième épisode de Jérôme et Badapom. Lecture suivie. Jérôme et Badapom, deuxième épisode. Allons-y. Je vais vous raconter l'histoire de Jérôme et Badapom, deuxième épisode. Mais avant cela, il vaut mieux de se rappeler le premier épisode, Jérôme et Badapom, quels sont les événements précédents. Alors, Jérôme, cette petite fille courageuse, a rencontré dans un beau clairière, hein, au milieu de la clairière, le plus gros, le plus vert, le plus beau de tous les dragons. C'est Badaboum. Alors ce dernier se plaint devant elle, car les autres dragons s'en moquent de lui. Il le trouve tout simplement trop gentil. Bon, quant aux hommes, ils le croient féroce et sont toujours à le chasser. Je vais vous raconter l'histoire de Jérôme et Badaboum, deuxième épisode. Mais avant cela, il vaut mieux de se rappeler le premier épisode, Jérôme et Badaboum, quels sont les événements précédents. Alors, Jérôme, cette petite fille courageuse, a rencontré dans un beau clairière, hein, au milieu de la clairière, le plus gros, le plus vert, le plus beau de tous les dragons. C'est Badaboum. Alors, ce dernier se plaint devant elle, car les autres dragons s'en moquent de lui. Ils le trouvent tout simplement trop gentil. Bon, quant aux hommes, ils le croient féroce et sont toujours à le chasser. Jérôme et Badapoum deviennent vraiment des amis fort intimes. Jérôme et Badaboum, deuxième épisode. Vite, vite, sauvez-vous. Vite, vite. Jérôme lève la tête et aperçoit derrière Badaboum Midinette, à la mésange bleue, qui volait tout excitée. Sauvez-vous! S'égosille-t-elle. Balourdou, Balourdou, le terrible chasseur de dragons, est juste derrière moi. Voici Balourdou. C'est un chasseur de dragons. Sauvez-vous! Sauvez-vous, s'égosille-t-elle. Balourdou, le terrible chasseur de dragons, est juste derrière moi. Ah non! Enquête Badaboum. Ça suffit, j'en ai assez. Disant ces mots, il crache une rafale de casseroles qui traverse la clairière et atterrit sur le crâne de Palourdeau. Le chasseur est ratatiné comme une crêpe. Voici les casseroles. Alors, le dragon Badaboum crache une rafale de casseroles qui traverse la clairière et atterrit sur la tête, sur le crâne de Balourdou. Voici Balourdou, ce chasseur de dragons. Le chasseur est ratatiné comme une crêpe. Bravo! Hurle en chœur Jérôme et Midinette, la mésange. Tu es sauvé!
pour cette fois, mais un jour, ils vont bien finir par me tuer, affirme tristement le pauvre dragon Badaboum. Il faut que tu te caches. Il faut que tu te caches, propose Midinette. Mais, oui, mais où? Oui, mais où? Réfléchit Badaboum. Et si on allait chez toi, Jérôme, tu expliqueras tout à tes parents. Ils me protégeront. La fillette ne répond pas. De grosses larmes perlent de ses yeux. Pervenche roule sur ses joues qui vont se perdre dans le tapis de mousse. Jérôme, ma petite copine, pourquoi pleures-tu? Demande Badaboum. C'est Midinette qui s'approche de lui et explique. Jérôme n'a plus ses parents. Elle est orpheline. Son père et sa mère n'en sont jamais revenus d'un safari vidéo au pays des dragons. Il faisait le plus beau de tous les métiers. Fabricant de rêves. C'est pour faire rêver les enfants qu'ils étaient partis avec une caméra filmer les dragons. Badaboum voudrait consoler son ami, mais il ne sait pas comment. C'est la première fois qu'il rencontre une petite fille orpheline. Soudain, son visage s'éclaire. Ses gros yeux se mettent à pétiller. Sa gueule se fend d'un large sourire, il s'écrie. Mais oui, tes parents, je les connais. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Ta maman est bien la plus jolie des mamans. Ton père le plus fort des papas et leur caméra de marque japonaise. Oui, enquête Jérôme. C'est ça, c'est bien ça. Je sais où ils sont. Ils sont prisonniers des dragons cracheurs de filets. Cracheurs de quoi? S'exclame Midinette. De filets. De filets. Reprend Badaboum. Ces dragons sont plus bêtes que leurs pieds et cherchent toujours des embrouilles. Ils ont capturé les parents de Jérôme à l'aide des filets qu'ils crachent sur tout ce qui bouge. Venez, on va les délivrer. On va les délivrer de ces dragons de filets. Midinette, installe-toi sur mon crâne. On aura sûrement besoin de toi. Alors, d'après Rizzi Delpech, un dragon encombrant, collection lecture en tête, c'est drap jeunesse. Attendez la suite, page 66. Je viens de lire deuxième épisode, Jérôme et Badaboum. Voici un personnage nouveau. C'est un chasseur de dragons. Il s'appelle Balourdou. Le Balourdou ici, sur cette photo-là, est tombé en terre. Et de nombreuses casseroles. Regardez ici. Il y a plusieurs casseroles ici qui sont tombées ici sur sa crâne. Sur son crâne. D'accord? Sur son crâne. Sur sa tête. Alors, qui a fait tout ça? C'est Badaboum. Qui a craché toutes ses casseroles. Et qui traversait toute la clairière et atterrissait sur le crâne de Badaboum. Malheureusement, ce chasseur était ratatiné comme une crêpe.
Alors, entendez épisode 3 de Jérômine et Badaboum. On sait déjà que Jérômine d'après Midinette, la mésange bleue, n'a plus ses parents. Elle est orpheline. Mais non. Alors Badaboum connaît déjà ses parents. Il dit, je les connais. Elles ne sont pas mortes. Ta maman est bien la plus jolie des mamans, ton père le plus fort des papas et leur caméra de marque japonaise. Je sais où ils sont, ils sont prisonniers des dragons cracheurs de filets. Venez, on va les délivrer. Ça veut dire on va délivrer tes parents. Elle parle bien sûr à Midinette et aussi à sa copine, Jérômine. Attendez la suite, s'il vous plaît, mes chers élèves de Siron. Prochaine vidéo sera donc la suite de Jérômine et Badaboum, page 66. Au revoir et à la prochaine.